ça va? Vous êtes sûr de pas avoir vu mon mari? Comment ça s'est passé ici? J'ai vu l'explosion. J'ai super faim. J'aimerais bien manger un bout ici avant de rentrer. Ah ben justement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder l'entrée? Personne. Décidément, c'est la série en fait. Je suis contente. Et ton bureau, ça va? Hein? Cette nuit, je te laisse marrer. Quoi? Il n'y aura plus aucun train pour aujourd'hui. Je te préviens. C'est une des conditions que je lui ai imposées. Je veux dire, il y a vous d'une bonne soupe chaude avec ça. Il n'y a rien de tel quand on est fatigué. Bonne idée. Hein? Il n'y aura plus de train aujourd'hui. Merci de... Il est resté sur la place. Je regarde. Je faisais des heures sup au secteur 1. Je me suis... J'hésite entre les marques. J'aurais préféré ne pas mourir. L'incendie était vraiment super impressionnant. Je demande. Toutes ces inégalités entre ici et là. Oui. Il y avait des gardes partout. Qu'est-ce qu'il y a? Le réacteur. Oui. Dans le secteur 8. Il y avait des explosions partout dans le secteur 8. Ah. La Mako est le centre de la planète. Bla bla bla. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique, cette structure. C'est presque de l'art. Hey, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'es intoxiqué à la Mako? Je suis couvert de poussière et de suie. Et en plus, je suis complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre. Désolé. Pour des raisons exceptionnelles de sécurité, cette zone est actuellement interdite au public. Je suis navré. Être plus autoritaire? D'accord. Attention, prolifération de créatures dangereuses à cause d'une défaillance du portail. Je n'ai rien à faire par là. Demi-tour. Il y a des créatures dangereuses de l'autre côté. Restez pas là.
Le réacteur va plus marcher? Pourquoi ils l'ont fait exploser? Ah, je vois que tu t'es amélioré. Tu pourras bientôt les réparer tout seul. Mon rêve, c'est d'ouvrir mon propre garage un jour. Pouvoir faire venir mes parents à Midgard. T'as raison. Marlène. T'es enfin rentrée, papa. V'là la plus belle. On vous attendait. Alors, t'as été sage? Oui, j'ai joué avec Tifa. Ouh, c'est bien ça. Tu t'es pas ennuyée, je vois. Ça a l'air d'aller. Cette fleur, tu l'as eu où? Ah. On dirait une vraie. C'est rare, tu sais. Je m'y attendais pas. Ça prouve bien que t'as beaucoup changé. C'est normal, non? Ça fait au moins 5 ans. Bon, faut que je parle à Barrette. Ok, vas-y, entre. Il y a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. Bordel! Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça, hein? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Ah. T'as bien raison, ma fille. Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. Hein? On va gentiment se mettre en pyjama. Non, je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. Ah, au fait, tu veux manger un truc? Non, je voudrais toucher ma paye. Oui, c'est vrai. À ce propos, Cloud, tu veux pas aller parler dehors? Dis, papa, les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète? Oui. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Ouais, ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut? À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude. D'accord. Et je comprends votre haine pour la Shinra. T'as pas un truc plus intéressant à nous raconter? Cloud, viens avec moi. Faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi. Tu ne t'es pas disputé avec Barrette et les autres? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. C'était vraiment un attentat à la bombe. Vous croyez que ça pourrait être le début d'une nouvelle guerre? Dis pas n'importe quoi. Cloud, on ira par là une autre fois. Quand même. Qu'est-ce qui se passerait si jamais ils décidaient de faire aussi péter le réacteur numéro 6 ou le 7? Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Shinra. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Alors, ils ont exagéré les dégâts? Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence vue céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201.
Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi? Ça t'inquiète? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger, c'est tout. J'aurais pas dû. Si, c'est bon. Et là? Ah, là... Il est un peu tard, alors on fera les présentations demain. C'est pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais, j'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilds. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi, c'est tout? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain. Je pourrai te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Ah, mais... si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non, ça va. Je me contenterai de 2000 guilds, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon, on se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Tout va bien? Je vais ouvrir! De temps en temps, à la demande de la propriétaire. C'est un peu temps, tu pourras m'aider. Ouais.
Bien donc, j'imagine que tu es le fameux Cloud. Hein? Je suis Marle, la propriétaire. Alors, tu es arrivé hier soir? Tu vivais sur le plateau? C'est compliqué. Tu as des secrets. Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Tifa a des ennuis? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille. D'accord, je vois. Allez, dépêche-toi donc d'aller au 7e ciel. Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps. Rien à signaler. Je poursuis ma mission. Allez, arrête de rêvasser. Dépêche-toi plutôt d'aller au 7e ciel. Je vais attendre la nuit. Oui, je sais qu'il est. Mon mari est reparti faire un tour. Oui. Quoi? Les gens vont peut-être se dire... Cette maison est un maniaque de la propreté. L'autre jour, il l'a même... Je me demande quelle répercussion cet attentat aura sur nous. On y va. Pierre, qu'est-ce qui fait vivre si on veut se marier, fouet. Tu te souviens de la fille qui habitait à deux maisons de la mine? Parmi la milice, il y a un gars. Je suis tellement ému que j'en pleure et que j'ai pris qui coule. J'ai bien l'impression qu'il y a encore plus de chats qu'avant. Parmi la milice, il y a un gars qui sympathise. C'est pourtant une fille sérieuse qui envoyait pour ça. Je vais pas te laisser dormir. Tu me cherches, toi? On pourrait pas tirer quelques guildes de cette... Ce soir, j'irai bien manger au 7e ciel, tiens. Salut. Salut. Marlène est en train de dormir. Fais pas de bruit. Bon, t'es prêt à aller au boulot? Hein? Il faut distribuer de nouveaux filtres aux gens. C'est Jessie qui les a créés. Ce sont des filtres assainissants universels. Ils retirent même la mauvaise odeur de l'eau. Un vrai succès. Pour tout dire, ils nous rapportent bien plus d'argent que le bar. La plupart des gens du quartier utilisent ces filtres. On leur apporte ceux de rechange et on récupère l'argent ainsi que les filtres usés. Il n'y a rien de plus simple comme boulot. Tu m'écoutes? Ah, c'est pas vraiment ce que je pensais. S'il n'y a pas besoin de se battre, ça ne me concerne pas. Il y a aussi des gens qui refusent de nous payer. Mais tu peux les persuader. Bon, ben, allons vite régler ça. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour te faire visiter. T'auras qu'à garder l'argent qu'on va récupérer. Comme tu viens de t'installer, t'en auras sûrement besoin. Merci. S'il n'y a pas assez pour te payer, je te donnerai le reste tout plus tard. Barrette est aussi en train de rassembler des fonds. Si je peux avoir tout aujourd'hui, pas de problème. Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau. Chez la concurrence.
Notre gamme inclut également des articles pour les petits budgets. Les pros de la surprise sont toujours bien préparés. Allez, venez donc jeter un œil à mes articles. Bonjour. Nous vous apportons un nouveau filtre. Tifa, quel plaisir de te voir. Je t'attendais. Tiens, c'est qui lui? Il est là pour collecter l'argent. Il s'appelle Cloud. Dis donc, t'as bien joué ton coup, toi. Tu veux pas échanger ta place avec moi? Tu serais pas à la hauteur. Hein? Voyons, Cloud. Mais j'y pense. Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelques achats. Je peux toujours jeter un œil. Considère-toi le bienvenu ici pour tes futurs achats. À condition que Tifa soit avec toi. Au revoir. Passez donc au bar. Je vous préparerai votre cocktail préféré. Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau. C'est un de nos clients habituels. Quand je viens faire des courses ici, il me fait souvent des ristournes. Tu penses qu'il m'en fera aussi? Peut-être, si tu te montres plus aimable. Pour obtenir un rabais? Hors de question. Bon, maintenant, on va aller voir la propriétaire de la résidence. Je l'ai rencontrée. Tu sais comment elle est, alors? C'est quelqu'un de très important pour notre cause. Sois aimable avec elle, d'accord? Quoi? Ça me réjouit pas mal de voir les gens de bouche. Moi aussi. Il paraît que les responsables de l'attentat seraient les gens... La Chine Rava. Marle, je vous apporte de nouveaux filtres. Tifa! Je t'attendais avec impatience. Tiens donc, pourquoi t'es là, toi? C'est pour le travail. Souris. Il m'aide à collecter l'argent. T'as intérêt à la protéger. Pas besoin de vous inquiéter pour moi, je sais me défendre. Ça, j'en suis bien consciente. Mais il faut le faire travailler un peu. Et à en juger par son attitude, j'imagine qu'il n'est bon qu'à se bagarrer, n'est-ce pas? N'importe quoi. Cloud? Je vais faire un effort. Ça manque franchement d'entrain, tout ça. T'es fatigué ou quoi? T'as un lit, non? Faut bien dormir la nuit. C'est la première règle du bidonville, n'est-ce pas? Exactement. Allez, tends-moi ta main. Merci beaucoup, Marle. À plus tard. Oui, bon courage à vous deux. T'as pas intérêt à causer des soucis à Tifa. Je dois beaucoup à Marle. Elle m'a aidé à m'installer. Et ça fait longtemps que tu vis ici? Ça doit bien faire 5 ans maintenant. Il manque pas d'effectifs pour ça. Ah, mais c'est pas le moment de parler justement. De ça. Allez, au travail. Il nous reste plus que le marchand d'armes. À cause de l'arrêt des trains, on risque de manquer de nourriture. Entre autres, on a peur que ça crée des mouvements. Tiens, voilà Tifa. Ça doit être pour le filtre. Dis donc, cette saloperie de filtre fonctionne pas du tout. Je suis vraiment désolée. Tenez, essayez celui-ci à la place. J'en veux pas de votre Kaamelott. Foutez le camp. D'accord, très bien. Mais je dois quand même vous demander de payer pour l'ancien. Tu rigoles? Je vais pas te payer pour un truc qui marche pas. C'est lui qui s'occupe de collecter l'argent. Vous vous foutez pas un peu de la gueule du monde, là? Vous allez payer ou pas? Merci infiniment. Et voilà, nous avons fini notre tournée. Maintenant que tu as quelques guilles, tu veux jeter un œil aux arbres? Et Barrett, quand est-ce qu'il aura fini de récupérer de l'argent? Avant l'ouverture du bar, ce soir. D'ici là, on a un peu de temps.
Tu veux faire quoi? Je sais pas. Ah mais tiens, je viens juste d'avoir une idée. Ça t'intéresse? Si tu veux vraiment travailler comme mercenaire ici, il faut que tu commences par te faire connaître. Les relations sont plus importantes que l'argent, comme on dit. C'est une autre de vos règles du bidonville? Avec des relations, t'auras du travail. Et si tu le fais bien, tu gagneras en réputation, ce qui te créera de nouvelles relations. Et je commence par où? Tu pourrais donner un coup de main à la milice du bidonville. Ça te rapportera pas beaucoup d'argent, mais tu te feras connaître. Je vais essayer. J'ai vu personne au poste de garde. Allons voir en haut. Venez jeter un œil à la boutique. La vie au bidonville est pleine de dangers. Il faut s'armer. Je trouve la crosse encore lourde. Je me demande si on peut l'alléger davantage. Il suffit de demander. Il y a le marchand juste là. T'as qu'à lui demander. Il faudrait qu'on aille s'occuper des créatures de l'avenue des débris. J'irai les chasser moi-même demain. C'est dangereux d'y aller seul. Vous êtes de permanence aujourd'hui? Oh! Qu'est-ce que tu viens faire là, Cloud? Tu veux rejoindre notre milice? Ça dépend de ce que vous y faites. Ça consiste en quoi, au juste, comme boulot? Ben, on fait pas mal de choses. Par exemple, on élimine les créatures qui s'introduisent dans le bidonville et on apprend aux habitants à se défendre. C'est le plus important. On doit tous savoir se défendre seul. Ça fait partie des règles de base, ici. Cloud est nouveau, alors il a besoin de se faire un nom. Une réputation et des contacts. Je me suis dit que la milice serait l'endroit idéal pour ça. Dans ce cas, on a exactement ce qu'il te faut. Il y a des sales bêtes qui nous donnent un peu trop de fil à retordre. On pourra pas te payer, mais on trouvera un moyen de te récompenser. Ça me donne une idée. Dis-moi, ton épée, tu l'as jamais modifiée? Non. Elle est parfaite comme elle est. Tu t'es promis de la garder telle qu'elle? Tu devrais la modifier, ça te rendrait encore plus fort. Je vais pas la manger. Je vais t'expliquer comment faire.
C'est bon? Bref, essaie différents trucs, tu verras bien ce que ça donne. Ok. Et c'est pas tout. Il y a un autre truc qu'on peut faire pour te récompenser. De la publicité. Tu peux compter sur Wedge. Avec lui, tout le monde te connaîtra. Si c'est pour t'aider, Cloud, je suis prêt à parcourir tout le quartier le ventre vide. Alors, où est-ce qu'elles sont, ces sales bêtes? À l'avenue des débris. Bon courage. Cloud, je vais t'accompagner. Je peux me débrouiller tout seul. Oui, mais je crois que tu connais pas le chemin. Je te suis. Tu vas voir. Je suis la meilleure guide du bidonville. Refais-moi voir ton épée quand tu reviendras. En fait, la milice nous sert de couverture pour nos activités. L'avenue des débris est à l'ouest du bidonville, derrière la muraille qui nous protège des bêtes sauvages. Et d'ailleurs, on ferait mieux de bien se préparer. Recherche de collaborateurs en cours. C'est le type dont parlait Wedge. L'homme à tout faire. L'épée est énorme. Elles vont se service. Salut Tifa, fais attention à toi. Voilà l'avenue des débris. L'environnement idéal pour toutes sortes de bestioles. La vermine augmente avec les ordures. C'était qu'un échauffement. Je suis impressionnée. Allez, on continue. C'est fini pour toi. Ça va chauffer. À mes côtés, j'ai vraiment rien à craindre de ces créatures. Même sans moi, je pensais pas que tu te battais si bien. Ça fait 5 ans que je suis ici. On apprend vite qu'il faut savoir se défendre tout seul. Allez, à ton avis, tu vas réussir à faire combien de temps? Donne-moi ça!
Sam, t'habites ici maintenant. Allez, encore un petit effort. C'est pas vrai. Laisse-moi faire. Terminé. Je crois bien qu'on a éliminé toutes ces créatures. Il en viendra sûrement d'autres. Est-ce que tu peux être pessimiste? Même si c'est temporaire, on a quand même ramené la paix dans le quartier. Je pense qu'on peut s'en réjouir, non? Si tu le dis. Les gens ne tarderont pas à savoir ce que t'as fait pour eux. Bon, faut qu'on retourne voir Biggs et Wedge. Recherche de collaborateurs. Alors, le nombre de créatures éliminées du mois. Je conseille d'aller saluer les autres commerçants. Recherche de collaborateurs en cours. Recherche de collaborateurs en cours. C'est le type dont parlait Wedge. Recherche de collaborateurs en cours. C'est reparti pour un endroit d'outil. Alors. On a le nouveau nombre de créatures éliminées! Il paraît que quelqu'un a éliminé toutes les créatures de la vue des démons. Déjà de retour? Et on a réglé le problème. Là où on passe, la vermine préface. Ça, c'est ce qu'on appelle être efficace! Merci beaucoup. De notre côté, on a fait de la pub pour Cloud. Ouais, j'ai remarqué. Par contre, je me demande ce que vous avez dit. T'inquiète pas. Si tu fais bien ce que les gens te demandent, tu auras vite une excellente réputation. Et ton épée, ça va? Ouais. Elle te va bien. On sent qu'il y a un lien fort entre vous. Ouais. Elle m'a toujours accompagné. Oh. Ça va pas. C'est rien du tout. Il s'est passé quoi après ton départ? Tu m'as pas dit. Rien d'intéressant. J'aimerais quand même savoir. On a le temps de discuter tout en cherchant du travail, non? Et moi aussi! Et moi aussi je veux venir! Toi, tu restes là. Non. Allez, dépêchez-vous. Désolé. De partir. Une prochaine fois? Hein? C'est pas juste! Tu vois pas qu'il faut les laisser seuls? Ils se sont pas revus depuis des années, gros bêta. Avant d'aller chercher du travail, ça t'intéresserait pas d'acheter une nouvelle arme? Pas besoin. Si ça se trouve, le gérant du magasin aura entendu parler de toi et sera plus aimable. On peut toujours y faire un tour. Il paraît que quelqu'un a éliminé toutes les créatures de l'avenue des débris. Il y a un trou dans le plafond de la salle de repos. Oui. Eh, dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte à ton sujet? T'élimines les créatures nuisibles? On dirait que t'as gagné en notoriété. Ouais, et alors? Désolé pour tout à l'heure. Je suis sur les nerfs parce que je vends presque rien. Je me suis dit que t'aurais besoin d'une bonne arme pour ton boulot. Si ça t'intéresse, je veux bien t'offrir celle-là. Pour me faire pardonner. Et puis si tu utilises une de mes épées, ça me fera de la pub. Je compte sur toi. Ok. Au fait, tu veux peut-être jeter un œil au reste? Je fais que regarder.
J'espère que tu reviendras. T'es un peu plus connu et t'as même une nouvelle arme. Il est temps de chercher du travail. Je te propose de commencer par aller voir Weimar. C'est qui ? C'est celui qui gère les demandes faites à la milice. Si ça se trouve, il aura du boulot pour un mercenaire comme toi. Et il est où ? Il devrait être entré au poste de garde maintenant. C'est toi le mercenaire qui vient de s'installer dans le coin ? Recherche de collaborateurs en cours. On te rappellera si les créatures reviennent. Recherche de collaborateurs en cours. Bonjour ma petite Tifa. Est-ce que t'as des problèmes ? Non. Je suis plutôt venue vous présenter quelqu'un d'utile. Voici Cloud. Il est mercenaire. Ah, enchanté de te connaître, Cloud. Je compte sur toi pour nous aider à protéger les habitants du bidonville. Si la récompense est à la hauteur, je suis prêt à accepter des tâches dangereuses. Tu m'as l'air d'avoir confiance en toi, dis donc. Dans ce cas, j'ai quelque chose qui pourrait bien te convenir. Les personnes qui nous ont demandé de l'aide t'expliqueront tout. Si tu fais du bon travail, j'aurai sûrement d'autres offres à te proposer. Merci. Collaborateur potentiel en vue. Collecte des données analysables en cours. Armes de grande dimension. Fonctions cardiaques et respiratoires excellentes. Musculature et ossature parfaitement équilibrées. Ce sujet convient parfaitement. Je m'appelle Chadley. Je fais un stage au département scientifique de la compagnie Shinra. Aidez-moi à effectuer mes recherches, s'il vous plaît. Veuillez accepter ceci comme acompte. Je vous prie de vous équiper de cette matéria d'analyse et de recueillir les données nécessaires à mes rapports de combat. Avec ça, je serai capable de développer de nouvelles matérias. J'ai aucune envie de travailler pour la Shinra. Pour vous dire la vérité, j'essaie d'agir contre la Shinra comme je le peux. Vous, je suis sûr que vous le comprendrez. Ces nouvelles matérias, elles pourront servir à lutter contre cette compagnie. Alors, j'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me découper en deux. Tu veux que je te prenne au mot ? Pour le moment, je crois que l'on peut dire que notre accord reste valable. N'oubliez pas de revenir me voir lorsque vous aurez terminé les rapports de combat, s'il vous plaît. Thank you.
la milice a gagné en fait. Est-ce que je devrais parler de mes problèmes? Mon mari est parti. Voilà ma jolie Tifa. Et toi, là, il paraît que tu travailles comme mercenaire, c'est ça? Ouais. Dans ce cas, j'aimerais que tu nous débarrasses de Ragea. Sale bestiole, elles ont ramené des ragarous et dévorent absolument tout sur leur passage. Ma réserve en a aussi fait les frais, et j'ai perdu en crédibilité. Dis donc, ça te fait rire, mon histoire? Je t'ai bien vu faire une grimace, tu sais. Bref, si tu m'en débarrasses, je t'en tiendrai par rigueur. Ces rats géants se cacheraient près des terrains vagues. D'après certaines rumeurs, ils viennent défendre les ragarous quand ils couinent. À croire que tous ces fichus rongeurs ont un esprit de solidarité. Quelle mouise. À cause de ces rats géants, je risque bien de faire faillite. Nous vendons aussi les produits qui sont Quoi? Concurrence! Notre gamme! Quoi? Ça me réjouit pas mal. Il paraît qu'il est responsable de... Rien à signaler. La milice a dit que... Vous êtes l'apprenti homme à tout faire? Il n'y a que de la qualité ici. Toi aux personnes qui nous ont demandé de l'aide pour en savoir plus. Mieux vaut éviter la concurrence déloyale. Alors, il paraît que tu travailles dans le coin. Je te conseille d'aller saluer les autres commerçants. La chaîne va perdre. Mon mari. Les gens vont casser.
Je me suis fait draguer. Les rats géants ont pas l'air de se presser. Tu as raison. On attend. Ah, je sais. Retournons à la boutique et faisons un rapport sur la situation au gérant. Le chef de ces fichus gros rats est de loin le plus bruyant de tous. Et en plus de ça, Johnny s'amuse à l'imiter. Dis donc, cette tâche, ça serait pas du sang. Oups. Bonjour. Tiens donc, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite? En tout cas, vous êtes pas ici pour m'acheter quelque chose. Dis-moi, tu serais pas le fameux mercenaire? Ouais, je crois bien que tu pourrais t'en charger. J'aimerais que tu ailles abattre les lézards volants de l'usine abandonnée. Là-bas, c'est notre territoire à nous. Parmi mes clients, il y en a qui sont prêts à braver le danger pour obtenir des pièces usées. Ce qui m'inquiète. Je vais m'en occuper. Merci infiniment. Pour en savoir plus, je te conseille de t'adresser à Nardjin, qui monte la garde près de la vieille fabrique. C'est un membre de la milice. Donc, tu veux bien t'en charger tout de suite ? Tu rentres la queue entre les jambes? Je suis au courant. Je sais que t'as buté des rats-garous. Mais moi, ce sont seulement les rats géants qui m'intéressent. Si t'es vraiment sûr de toi, va donc exterminer cette vermine. Tiens, je suis sûr qu'ils vont pas tarder à se montrer. Tâche donc de faire ton travail, monsieur le mercenaire. Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau.
Débarrasser des rats géants est un de mes plus fidèles clients. T'en penses quoi? C'est une bonne idée, non? T'as tout à y gagner, tu sais. Ça te ferait aussi de la publicité. Je te promets de vanter tes mérites auprès de Weimar et de mes clients. En faisant comme ça, tu seras sûr de jamais manquer d'offres de travail. Fais comme tu veux. Parfait! Marché conclu! Le septième ciel, le mercenaire, et puis mon magasin! Si on travaille ensemble, les affaires vont aller du tonnerre. De faire un nom ici. Ouais. C'est plutôt satisfaisant. Ce qui compte, c'est d'accepter tout ce qui vient. Les relations sont plus importantes que l'argent, n'est-ce pas? C'est une des règles du bidonville. T'as retenu la leçon. C'est parce que j'ai une bonne prof. Peut-être que je vais me montrer plus sévère maintenant. Ça promet. Dis, je pense que Barrett devrait bientôt avoir terminé sa tournée. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au bar pour voir?
fameux mercenaires, nos articles sont encore plus variés. C'est lui qui a terrassé les rats. Qu'est-ce qui se passe? On va jeter un œil. Pauvre Johnny. Quoi? Il se passe quoi? J'ai rien fait, laissez-moi! Halte! Arrête de résister! Lâchez-moi la grappe, sale chien de la Shinra! La ferme, espèce de fouine! Oui? Oui? Aïe, 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 mais vous me faites mal! Foutez-moi la paix! Vous allez me lâcher, ouais! Aïe! Johnny s'est fait interpeller par les gardes, mais tu sais bien quel tempérament il a. Ça doit être lié à la destruction du réacteur. Le pauvre Johnny. Il va encore se prendre une bonne raclée. Il se peut qu'il ne le relâche pas de sitôt cette fois. Il faut que j'aille le libérer. Pourquoi, c'est un des vôtres? Non, mais... malheureusement, j'ai l'impression qu'il commence à deviner nos activités. Et surtout... il a la langue bien pendue. Il faut absolument le sortir de là. Je m'en occupe. Je t'accompagne. Hein? Mais tu... c'est à mon tour de t'aider cette fois. Ok? Merci. Allons-y. Il se passe quoi? On ne peut plus rien faire pour lui. J'espère que ça va pas nous tomber. Qu'est-ce qui se passe avec Johnny? Moi. Les honnêtes citoyens ne volent pas de poudre à canon. On sait que t'es allé dans l'entrepôt. Ton badge est enregistré dans l'historique. Quoi? Il y a erreur sur la personne. Je me suis jamais approché d'un entrepôt de la Shinra, moi. C'était un piège, abruti. Ton badge t'aurait jamais permis d'entrer dans un bâtiment de la Shinra. Maintenant, tu vas nous raconter tout ce que tu sais sur cette affaire. Oh non! Faut surtout pas qu'il en dise plus. On y va? Attire l'attention des gardes. Moi, je m'occupe de Johnny. Laissez-le partir. Hum? Et t'es qui, toi? Un complice? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qui est là? Alors, vous êtes venu me sauver, c'est ça? Vous êtes qui je crois? Avant-nous! Halte là! Vous vous croyez tout permis? Maintenant, on n'a plus le choix. À te faire buter. Disparais de la ville. D'accord. Vous avez ma parole. Je vais partir à l'autre bout du monde. Tu veux vraiment qu'on en reste là? Tu sais qu'il y a de gros risques. Oui, je sais. Mais ça suffit. Et ceux-là? Oublions-les. Cloud... tu me fais peur. Filons d'ici avant que les gardes se réveillent.
J'espère que ça va aller pour Johnny. Le pauvre. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Partons d'ici. Ok. Quoi ? Tu sais, Cloud, t'as vraiment changé. Comment ça ? Par exemple... ton regard. Il était pas comme ça avant. J'ai des yeux de soldat. C'est la Mako. Je vois. Tu veux faire quoi maintenant ? On retourne au bar ? Ou tu préfères continuer le mercenariat ? Les gens qu'on nous envoie pour nous aider, c'est vous deux ? Dans ce cas, vous êtes les bienvenus. Les lézards volants sont dans les entrepôts, au fond. Il y a deux groupes. Il faut tous les exterminer.
menu fredin. Tant mieux. Forcé.
Ça prendra 2 secondes. Et encore. C'était couru d'avance. Alors, il paraît que vous avez éliminé les lézards volants. Je vous suis reconnaissant. Mes clients aussi vont être très contents. De ce que je vois, tu as tout l'air d'avoir les capacités requises pour travailler en tant que mercenaire. Toutes ces années passées à récupérer de vieilles pièces ont aiguisé mon jugement, tu peux me croire. Enfin bref, je te conseille d'aller près du pilier. Il y a du grabuge, parce que des créatures volantes sont apparues là-bas. Ce genre de travail, c'est parfait pour toi. Ouais. Commence par mieux te connaître, et par maîtriser ton art. Et aussi, fais souvent le point. Tout te semblera alors différent. Sur ce, bon courage, mercenaire. La marchandise que je vends change régulièrement. Viens y jeter un œil de temps en temps. Hé, hey, salut! Les articles que je vends changent en fonction des circonstances du moment. J'espère que ça te plaira. Content de te voir. Dis, t'es allé du... Si c'est pas le cas, achète donc quelque chose en prévision du combat. Les numéros de série sont effacés. J'ai eu beaucoup de problèmes avec Zera. Il paraît que tu nous as débarrassé des gros rats d'à côté. C'est pas moi qui avais fait la demande, mais... En tant qu'habitant du coin, je te dis un grand merci. J'en parlerai. Chercher mes amis. Eh bien, le gentil mercenaire qui est là va les chercher pour toi. C'est vrai? Alors, pour t'aider à les trouver, ils sont minces, agiles et super beaux. Ils aiment aller là où il y a à manger et là où il y a des gens qui leur donnent des friandises. Et puis les petits coins. Ce sont des chats. Ils sont de la même portée. Des chats perdus. Si tu les appelles, ils viendront, tu sais. Ils aiment avoir de la compagnie. Tu vas me la ramener, hein? Mes amis les chats aiment bien les endroits avec plein de gens. Ils jouent souvent avec des passants vers l'entrée du bidonville. Qu'est-ce qu'ils... Le prochain objectif de recherche... Je crois que j'ai terminé les rapports de combat de la matéria d'analyse. Alors, j'ai besoin de t'en aider, Cloud. Il paraît que tu travailles dans le monde. Cloud, vous avez été extrêmement rapide dans votre collecte de données. Vous avez bien mérité une récompense supplémentaire. Je viens de créer une nouvelle matéria. Regardez, vous pouvez déjà l'acheter. Thank you.
j'ai encore beaucoup d'autres matérias à créer. Vous verrez, ensemble, nous allons obtenir un pouvoir capable de résister à la Shinra. J'ajoute des rapports de combat lorsque je le juge nécessaire. Je compte sur vous pour vous en occuper. Le quincailler m'a expliqué ce que t'as fait pour lui. Merci d'être intervenu. Je dois reconnaître que t'es vraiment efficace. À vrai dire, une autre créature ne pose pas. Il s'agit d'un chien de garde particulièrement féroce. Tu vois le genre ? Un de ces chiens de la Shinra. Il aurait été aperçu dans l'avenue des débris. Je peux compter sur toi ? Je vais m'en occuper. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ce molosse est beaucoup trop dangereux pour nous. Bon courage. Je compte sur toi pour abattre le molosse de l'avenue des débris. S'il va près. Cloud, merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports. Alors, il paraît que... Du balai. Personne nous arrêtera. C'est pas fini. Ça va te calmer. Ah!
Par ici ! Qui part ? Down ! Je l'ai trouvé ! J'ai réussi à coincer le molosse un peu plus loin. Il est très excité, alors attention. Thank you.
génial. Vous nous en avez débarrassé ? Oh, merci beaucoup. À mon avis, c'est un nouveau spécimen qui s'est enfui de la Shinra. Depuis quand est-ce qu'il pose problème exactement ? Je vois. Les premiers signalements ont commencé à nous parvenir ce matin. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Se pourrait-il que la Shinra ait construit un laboratoire ? Et qu'il soit juste en dessous du bidonville du secteur 7. Hein ? Je sais pas. Ça me dit rien, en tout cas. J'ai seulement essayé de voir ce que tu savais. Je te prie de m'excuser. C'est une grande organisation. Il y a beaucoup de choses que j'ignore. Ouais, t'as raison. T'as abattu ce maudit chien, c'est tout ce qui compte, à mon avis. Tu sais, je crois que tu commences à avoir une petite renommée. En ville, les gens doivent parler d'un super mercenaire, non ? Je n'ai encore rien fait de vraiment extraordinaire. Tout ça n'est pas à la hauteur de ton talent. Merci pour ton aide. Oh, ce chien me fout de la peau. Alors, si je comprends bien, t'es plus un... La milice a dit qu'elle allait enfoncer ses patrouilles. Cloud, merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des... N'arrête pas de chanter tes louanges. Le nombre de créatures éliminées du mois est là. Venez voir ça. On a le nouveau nombre de créatures éliminées. Oui. Stomp, c'est le plus courageux. Le seul travail qu'on nous donne sur le plateau, c'est des boulots journaliers. J'espère qu'on va pas manquer de nourriture. Difficile de pas s'inquiéter pour l'argent. Les toilettes. Même les emplois plus stables sont payés une véritable. Les trois chats vont souvent aux endroits où on leur donne à manger. Marlène leur donne des friandises au 7e. Qu'est-ce qui fait vivre la planète ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est vous le jeune mercenaire. Il y a pas grand chose de valeur ici. Il paraît qu'il y a une espèce de... Vas-y, t'approche pas de vrille. Tiens, c'était pas un miaulement de chat à l'instant. Du plateau, on dit, il doit pas être loin. Je sens bien que tout le monde est tendu. Et puis d'abord, j'aime les habitants du secteur. Oh. Si la planète est vivante. C'est vrai qu'on a de nouveau accès à l'usine abandonnée.
Mais faites quelque chose! Je suis désolé, c'est pas de notre ressort. Tifa, tu tombes bien. On a un problème, là. Un Dinglou du cimetière des trains s'est installé ici. Mais eux, ils refusent catégoriquement d'agir. Hein? Mais dis-moi, tu serais pas le fameux mercenaire? Tu vas pouvoir nous aider, alors? Le Dinglo est allé au fond de l'usine abandonnée. Pour pouvoir l'atteindre, il faut d'abord trouver une clé. On a caché cette clé dans une des caisses en bois, mais je ne sais plus laquelle. Alors brise-les toutes. Il y a une dangereuse crête. Tu travailles, là? Hein? Qui s'est installée près du pilier? Deux secondes.
d'avance. J'espère que je te gêne pas. Contente de vous revoir. Alors vous avez éliminé le Dinglo. Tu es vraiment aussi efficace qu'on le dit. Rien à voir avec ces gardes qui font que jouer les durs. J'en viens à me dire que tu devrais les remplacer. Ils font leur métier. Et ils ont des ordres. Oui, mais moralement, c'est plus discutable. Il faut aussi des gens qui savent obéir aux ordres. Bien entendu. Il paraît que tu travaillais pour eux avant, pour la Shinra. Du coup, ça m'étonne pas que tu les défendes. Moi, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'aime ce quartier. Très bien, c'est moi qui vais protéger les gens d'ici. Je vais m'entraîner dur, et je deviendrai encore plus forte que toi. On peut pas compter sur vous pour nous protéger. Alors je vais m'en charger. Non, mais comprenez-nous. Fais-la partir. D'accord. Partez d'ici tout de suite. Sinon, je vais vous arrêter. Mais c'est donc un peu si t'en es capable. Rien que de voir ces gardes-là, ça m'énerve. Oui. Encore cette fille. J'ai vu. Si on pense à la survie de la planète, il paraît que c'est Avalanche qui a fait exploser. Allez, petit chat, y a pas de quoi avoir peur. Oh, t'es trop...
ton avis? Comment je fais pour te nourrir si je peux plus aller travailler? Je pensais... J'ai des contacts dans le secteur 6. Je veux voir s'ils peuvent nous aider. Que c'est romantique! Je vais faire un petit saut. Je suis fatigué d'attendre. Ça va être une longue journée. Oui, attends, les articles que nous vendons vous aideront à être encore plus efficaces dans votre travail de merci. Des gens là-haut. Gwen, n'arrêtez pas de faire des compliments. Il n'y a toujours pas de train. J'ai besoin de quelque chose pour réveiller. On pourrait chercher des pièces de ferraille et les vendre. C'est pas ça qui va nous faire vivre. Sans compter qu'il y a des créatures dangereuses. C'est pas facile de récupérer ces pièces. Viens là. Mais oh, viens faire un câlin, mon beau. Oui. Allez. Approche-toi. Nous avons été informés ce matin que nous devions arrêter le trafic. J'ai du travail. Il nous faut aller travailler. Et je me demande si j'ai confiance en ce moment. Il y a des créatures dangereuses dans le cimetière. J'ai entendu dire que quelqu'un avait disparu dans le cimetière. Hein? Oh. Hein? Pourquoi ça arrive? Allez. Approche-toi un peu plus. Attention! Oui. Oui. Ça va être une longue journée. Faut que je me retrousse les mains. Allez, petit chat. Y a pas de quoi avoir peur. Que c'est romantique. Je vais voir s'ils peuvent nous aider. À Walmart, pour venir. Leur assaisonnement est assez particulier. Je sais pas si nos clients apprécieraient. Je dors pas en ce moment. Mon lit est trop dur. J'ai besoin de quelque chose pour me réveiller. Ça sent tellement les émotions que je n'arrive pas à dormir. Ouais, j'ai ça. Vous êtes pas le premier à me demander un truc pareil. Gwen, n'arrêtez pas de faire des compliments à ce sujet. Il paraît que c'est Avalanche qui a fait exploser le réacteur. Si on pense à la survie de la planète... Hein? Encore cette affiche. J'ai vu la... Quoi? Il devait être féroce, ce dingo. Je pensais pas qu'il serait possible de vaincre les Dinglo. J'en vois de temps en temps dans le cimetière des trains. Gwen m'a dit qu'elle t'était très reconnaissante, tu sais. T'es plus utile que l'armée, toi. Tous les gens. On aurait bien la bonne. Laissez-moi travailler ici. C'est Avalanche, les coupables. Faut leur faire payer. Ma sœur qui est partie. Il y a des gens qui vont. Je vais partir de chez lui à toute vitesse. Tiens, c'était pas moi. J'irais bien manger au 7e ciel, tiens. Vous servez ici alors? Des plats qui ont moins le mérite de pas être cher. Merci beaucoup pour ton aide. J'ai entendu dire que t'étais aussi la ministre. Allez! Sors de là! Allez! Vous avez déjà créé des problèmes avant. C'est cette fripouille de chat voleur! Il a chippé mon pain avant de s'enfuir et de se faufiler là-dedans! Dites-moi, vous ne voudriez pas l'attraper pour moi?
pénible. Bon, je laisse tomber. Sans arrêt qu'aimanter de la nourriture. Je sais dommage, plus. Mais c'était une chance unique d'habiter à côté. T'as protégé la ville. On te doit une vie. Tu en as fini. Quoi? Ils se sont enfuis? Alors, ils vont pas revenir? Ils disent qu'il y a un monsieur avec une épée qui leur a fait peur. Merci. Qu'est-ce qu'il... Félicitations. On peut dire que tu as fait du bon travail. Tu commences à te faire un nom en tant que mercenaire par ici. Tu crouleras vite sous les demandes. C'est grâce à toi. Douce musique à mes oreilles. Et pour la récompense, je dois passer au bar? Oui. Mais tu ne veux pas retourner à l'appart avant ça? T'as le droit à une pause. La première règle du bidonville. La plus importante, même. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, en route! La rivière de la vie. C'est quoi, ça? J'ai où veux-je m'en? Les filles qui habitent au dortoir. Quand je suis venu vivre à Midgar, je m'imaginais que j'allais devenir riche. J'espère que tu resteras longtemps parmi nous. Tiens, vous êtes de retour plus tôt que je pensais. Vous tombez bien. J'aimerais que vous changiez les filtres dans vos appartements. Je les ai déposés à l'intérieur. Attends un peu, mercenaire. J'ai une requête pour toi. J'aimerais que tu sois gentil avec Tifa. Je pense que je le suis déjà. Je te parle d'être attentionné, pas intéressé. Il y en a tellement qui lui tournent autour. Hein? Mais toi, t'es différent des autres, hein? Au travail. On va commencer par changer les filtres. Ok. Dis-moi quand tu auras fini.
Je me dépêche, une seconde. Ça y est. Raconte-moi. Après le village, t'as fait quoi? Hein? Tu m'avais promis. Tu sais, dans le bâtiment de la milice. Ah. Mmh. Pendant la guerre, les soldats étaient considérés comme des héros. Oui. Tous les jours, je guettais les infos. Mais... au moment où je suis devenu soldat, les choses avaient déjà changé. Malheureusement, rien n'était comme je l'avais rêvé. Je devais juste travailler pour la Shinra, c'est tout. Pardon, tu n'as pas envie d'en parler. Un travail où on manie l'épée... c'est pas le meilleur des sujets pour des retrouvailles. Je comprends. Quand même, la vie nous joue des tours. Le jour où on s'est séparés, si on m'avait dit... qu'on finirait par se retrouver, et aussi loin de notre village... J'ai une idée. Si on fêtait nos retrouvailles, on va se faire beau. Se faire beau ? Qu'est-ce que tu crois? Même moi, ça m'arrive, tu sais. Mais... t'as des vêtements? Non, pas vraiment. Mais je me débrouillerai. Quel genre m'irait, tu crois? Un style exotique? Ah oui? C'est ton truc? Mais je me demande si ça m'irait. Faudra que tu mettes un truc assorti. D'accord. C'est vraiment une chouette idée. J'ai hâte. Oui. Moi aussi. Très bien. Assez discuté de ce qu'on va porter. Allez, retour au bar. Oh, mais tu veux pas te reposer ? Je pense qu'on n'a plus le temps. Pas un mot à Marl. D'accord ? On a changé les filtres. On retourne au bar, du coup. Je vous remercie. Et dis donc, t'as l'air de bonne humeur tout à coup. Tu trouves? Je me sens comme d'habitude. Je vois que tu te débrouilles bien. Tu souris enfin. Continue comme ça, d'accord? Tiens, je te donne même une avance pour la suite. Je compte sur toi. Arrivé. Tu dois être fatigué. Ouais, un petit peu. Mais bon, il faut se délasser après le travail. Que dirais-tu de boire un cocktail spécial dans le havre de paix qu'est le 7e ciel? Dis fort. Je crois que moi aussi, je suis fatiguée. Dis-moi, est-ce que tu comptes t'installer à Midgar pour de bon? Je pense, ouais. Je vais continuer de bosser dans le coin, mettre des guildes de côté. Je vois. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On continue de faire le tour du quartier?
Salut, vous deux. Bonjour. Vous vous promeniez? Ouais, en quelque sorte. Bon, rassemblement au sous-sol. Ah bon, déjà? Alors, la prochaine opération... Marlène, tu vas attendre Jessie devant l'entrée. Oui. Tu sais ce que ça veut dire. On part en mission demain. Faut qu'on aille en discuter. Et ma récompense? On en a pas encore parlé. J'ai pas le temps maintenant. Alors tu vas attendre qu'on ait fini notre réunion. Tifa, on a du boulot. Je suis désolée. Tu vas devoir encore patienter. Pour m'excuser... Prends un tabouret. Qu'est-ce que je vous sers? Un truc fort. J'en ai besoin. Alors, la plupart de mes clients me font des compliments. Et c'est bien mérité. Ah, vous êtes connaisseur, je savais que ça vous plairait. Je vous propose ensuite... notre spécialité, le cocktail Cosmo Canyon. Magnifique. Faut que j'y aille. Fais comme chez toi. On est des stars. Les infos parlent de nos exploits, même s'ils nous dénigrent. Avalanche serait l'ennemi du peuple pour avoir détruit le réacteur. Sacrée poussée d'adrénaline. Ils n'ont pas révélé nos visages, donc on est en sécurité ici, mais on n'a pas de temps à perdre. Au fait, tu viens à la prochaine mission? Peut-être, si on me paye bien. Ouais, t'inquiète, je vais négocier ça pour toi. Tifa doit nous accompagner pour cette mission, mais j'avoue qu'elle n'a pas l'air d'approuver nos méthodes. Elle n'est pas d'accord pour utiliser des bombes, elle pourrait hésiter et... On se retrouve souvent en situation de vie ou de mort. Quand c'est comme ça... c'est mieux de se savoir soutenu par quelqu'un d'efficace comme toi. Comment je vais pouvoir m'occuper? La fleur de l'autre jour.
Je vais attendre patiemment. Nouvelle mission n'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on ne change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. Si t'es pas sûre de toi, mieux vaut t'abstenir. Avant la fin, c'est ça? On s'est disputé. Bon, sinon, tu veux autre chose? Tifa, qu'est-ce que t'attends? On fait ça, alors mets les petits pains dans les grands. On se passera de toi pour la prochaine opération. À ta place, j'irai chercher un autre boulot. C'est justement ce que je comptais faire. Tant que j'ai pas de contrat, rien ne m'oblige à vous aider. Je me doutais que tu dirais ça. Tiens, c'est le reste de ta paye. Et j'ai même ajouté un petit bonus. Donc voilà, t'es libre de tout engagement. Bon, désolé, mais tu peux pas rester. Je préfère célébrer en privé. Je suis un peu avancée, désolée. On a débattu à ton sujet et... Comment dire? On a pensé qu'on comptait un peu trop sur toi, alors que t'es pas concernée. Jessie, on t'attend. J'arrive tout de suite. Pardon, il faut que j'y aille. T'inquiète pas. Ça t'embête pas si on discute après la fête? T'en fais pas, je te dis. Jessie! T'abuses trop, là, sérieux! Ben, à plus tard. Ça va, y a pas le feu. Santé! Ça fait du bien par où ça passe. Doucement, Biggs, on va pas te... Tu dois être bien soulagé d'en avoir fini avec ce contrat. Bon, reprenons. On disait quoi? Buvez pas trop. Désolé. J'ai des choses à discuter avec les autres. Ah, désolé, qu'est-ce qu'on disait? Justement, faut en profiter ce soir. Ouais. On se voit plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Faut être vraiment prêt à risquer sa vie pour la cause. C'est surtout une question de conviction. Oh, désolé, tu disais? On n'avait plus fait ça depuis qu'on s'est fait virer de la branche principale. Eh oh, on s'est pas fait virer. J'imagine que tu dois avoir faim toi aussi. Attends. On a choisi d'être indépendant. D'en parler, ça me met les nerfs. Oh. C'était une période difficile. C'est qui ces types? Des gens m'ont dit l'avoir vu dans les environs.